défleure le silence et le recueillement sur chacun des lieux où les terroristes ont tué le 13 novembre 2015. Des cérémonies de commémoration sans mots, mais évidemment pleines d'émotions. Il y a 2 ans, un commando se revendiquant de Daesh allait frapper la France comme jamais, 130 morts. Valérie Astruc, David Dameda et Baptiste Rimbert nous font le récit de cette journée d'hommage aux victimes. La douleur d'un père partagé par le président. Une longue étreinte. Partout, la même émotion, les mêmes gestes, les mêmes hommages sur chaque lieu des attaques, du Stade de France au Bataclan, en passant par les terrasses du 11e arrondissement. Pas de prise de parole, hormis dans le haut-parleur, la litanie des noms des victimes. Elif Dogan. Milko Josic. Le Carillon, le Petit Cambodge, le comptoir Voltaire, la belle équipe. 39 personnes abattues à l'arme lourde et des familles inconsolables. Des 30 ans, des 40 ans, vous vous rendez compte, ils avaient la vie pour eux. Et tout ça, c'est foutu. Alors, il ne faut pas oublier. Hommage aussi aux policiers et pompiers qui ont affronté l'horreur. François Hollande, en exercice au moment des attentats, participe à toutes les cérémonies. Étape la plus intense, le Bataclan, l'attaque la plus meurtrière, 90 morts. Les yeux embués, Brigitte Macron a du mal à contenir son émotion. Le chanteur de Eagles of Death Metal qui se produisait ce soir-là est venu spécialement. Emmanuel Macron écoute et réconforte tout le monde. Il m'a tenu la main et il ne me l'a lâché plus. Et il me regardait dans les yeux avec une certaine émotion. Il fallait dire un peu ce qu'on a vécu et j'ai dit plus jamais ça. La personne qu'on était avant n'existe plus. Et il faut apprendre à se reconstruire avec cet événement-là. Et effectivement, les commémorations font partie de la reconstruction. Hommage ultime, lâché de ballons multicolores, l'ancien et le nouveau président côte à côte. Vous pouvez maintenant lâcher les ballons, je vous en prie. 130 ballons pour ne pas oublier les 130 morts. La pire vague d'attentats de l'histoire de France.